Voilà le combat que vous attendiez tous, l'affrontement entre Matt Serra et Johny Big Rig Hendricks. Johny Hendricks qui fait son entrée dans la cage, déterminé à défendre le championnat des welterweights ce soir. Quand il va commencer à envoyer ses coups de pied, écoutez bien. Malgré la foule et la distance des micros, vous allez entendre son tibia claquer contre son adversaire. De repartir sans son titre ce soir. Il a vraiment un super niveau de jiu-jitsu. Je l'ai déjà vu à l'entraînement placer des techniques surréalistes. Croyez-moi, vous ne voulez pas affronter cet homme dans un combat au sol. Voici les données de ce combat de championnat welterweight. Ces deux combattants n'ont qu'un an d'écart et ils ont quasiment la même allonge avec une taille assez proche. Bruce Buffer avec les présentations officielles. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. When the action begins, our referee in charge of the octagon, Yves LeMay. Is the moment UFC fans around the world have been waiting for. It's time! Five rounds for the undisputed UFC welterweight championship of the world. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a wrestler holding a professional record of 18 wins, 8 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 185 pounds. Fighting out of Fort Worth, Texas, presenting the challenger, Johny Big Rig Hendricks. And now introducing the champion, fighting out of the red corner. This man is a jiu-jitsu fighter holding a professional record of 16 wins, 4 losses. He stands 5 feet 6 inches tall, weighing in at 170 pounds. Fighting out of Long Island, New York, USA, ladies and gentlemen, presenting the reigning, defending UFC welterweight champion of the world, Matt the Terror Serra. UFC belt on the line, guys. Protect yourself at all time. Obey my command at all time. If you want to touch love, do it now. Go back to your corner. On se touche les gants et on attend le signal de l'arbitre pour commencer le combat. Matt Serra, Johny Hendricks. Allez, c'est parti. Le titre welterweight est en jeu. Coup de poing évité. Et un jab par Serra. High kick, il est sonné. Gros direct. Superbe enchaînement, il l'emmène au sol. Coup de poing. On ajuste sa position. Ils sont de retour debout. Serra place une droite qui ne touche pas sa cible. Le high kick. Il est sonné, il est sonné. Superbe crochet.
Il cherche la coupure. Waouh, gros uppercut. Il s'est écarté au dernier moment. Superbe low kick. Oula, ce coup lui a fait mal. Direct qui passe. Mais quel enchaînement! Énorme coup de pied qui touche la tête. Encore une, il est sonné. Un droit qui passe. Ce coup a fait des dégâts. C'est la fin. Ce coup de pied circulaire qui nous rappelle les plus grands chaos de Mirko Krokop a envoyé son adversaire au tapis avec une puissance qui s'est ressentie dans toute l'aréna. C'est parti pour le replay du combat. Le gros coup de pied, regardez. Superbe chaos, une frappe puissante qui ne pardonne pas. Superbe exécution d'une précision redoutable. Un chaos brutal qui ne laisse aucune discussion possible sur l'identité de notre champion. Ladies and gentlemen, referee Eve Levine's called a stop for this contest at 2 minutes, 48 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout and new undisputed UFC welterweight champion of the world, Johny! Il remporte donc le combat le plus important de sa carrière et devient ce soir notre nouveau champion. Les réseaux sociaux étaient partagés quant à sa capacité à y arriver, mais il a prouvé à tout le monde qu'il était le meilleur ce soir.